Qu'est-ce qui t'arrive en ce moment, toi? Hein, quoi? Je sais pas pourquoi tu te réveilles une heure plus tôt depuis une semaine. Ah, mais ça, c'est parce que j'essaye une nouvelle méthode américaine, le early rising. Early rising? Ouais. Ça consiste en quoi, concrètement? Eh ben, en fait, tu te lèves une heure plus tôt pour t'accorder un temps pour toi, tu vois, un temps suspendu. Un temps où tu laisses tout derrière et tu visualises ta journée. Tu visualises toutes les tâches que t'as à faire dans la journée. Dans ton esprit, tu les ranges. Et comme ça, t'es prêt. T'es prêt pour ta journée. Ouais, je connais, je fais ça aussi. Ah bon? Oh, moi, c'est un peu plus classique, hein. C'est la méthode française, quoi. Ça s'appelle les embouteillages. Allez, bonne journée, ma chérie. Oui. Ah, attention! Oh, t'allais jeter l'os du bonheur. Oh là là. Le quoi? L'os du bonheur. Ils t'ont rien appris, tes parents? On tire chacun d'un bout. On fait un vœu, on tire, celui qui a le plus grand bout, il a gagné. Il gagne quoi? Bah, son vœu est exaucé, grand malin. Bon, ça y est? Non, non, attends. Ah, je sais pas quoi faire comme vœu. Ah, j'hésite, hein. Être milliardaire, star international ou prince? Oh, mais mon pauvre Polo, si tu rêvais un peu plus petit, t'aurais peut-être une chance que ça se réalise un jour. Ouais, t'as raison. Alors? C'est bon, j'ai. Putain, mamie, t'as raison, j'ai gagné. Oh, ça marche. Bravo. Alors, c'était quoi ton vœu? Bah, c'était d'avoir le plus gros bout. Non, mais t'as raison, en fait, il suffit juste de viser plus bas et vœu exaucé, quoi. Ah, merci pour ta leçon, mamie. Ouais. Oh, c'est stylé. Minou, t'as déjà classé les enfants par ordre de préférence dans ta tête? Ah bah, plein de fois, hein. Ah bon? Mais oui, mais tu sais, c'est humain, tu peux pas t'empêcher de faire ça. Et comment tu fais, toi? Tu les classes comment, en fait? Ah, il faut une méthode, en fait. Parce que si tu commences à faire des listes de pour et de contre, tu t'embrouilles, c'est le bordel. D'accord, et c'est quoi ta méthode? Bah, en fait, moi, je me fais un petit scénario, voilà. J'imagine que je suis en haut d'une falaise, tu vois, un précipice 25 mètres de haut, comme ça. J'ai qu'une seule main de libre. Et là, j'ai les trois mains des enfants qui se tendent vers moi. Mais je peux en sauver qu'un, puisque j'ai qu'une main. C'est horrible. Tu choisis qui? Jules, c'est le plus léger. Je suis sûr de pas le lâcher, donc je l'attrape et les autres, voilà. Oui, non, attends, parce que si je suis ton raisonnement, ça veut dire que tu sauves Jules à chaque fois. Parce que imagine le scénario, c'est que vous êtes tous les quatre dans une montgolfière et vous pesez trop lourd. Bah là, forcément, tu vas balancer Paul et Letty, puis tu vas sauver Jules. Bah non, mais c'est moi qui vais sauter Isabelle. Comme ça, je suis sûr de sauver les trois enfants, en fait. Ah. C'est horrible. Tu me fais peur, Isabelle. Tu me fais peur.